Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, oui, je suis toujours en vacances dans le sud. Vous pouvez peut-être entendre le ventilateur au fond, il fait chaud, mais j'avais quand même envie de parler d'un film français que j'ai pu rattraper enfin, voilà, en famille, tranquille. Un long métrage que j'aurais vraiment voulu voir au cinéma, mais j'ai pas pu parce que pas le temps, je ne sais pas trop pourquoi à l'époque. Mon inconnu, le troisième film d'un certain Hugo Gélin, petit-fils de Daniel, avec au casting François Civil, qu'on a pu voir cette année également dans Le Chant du Loup, et un autre film, il me semble, avec Juliette Binoche, mais à vérifier. Et il y a à ses côtés Joséphine Japy, que je connaissais de visage, elle avait débuté sa carrière, je crois, dans Neuilly sa mère, mais voilà. Vraiment une bonne actrice d'ailleurs, et très jolie en plus. Et également au casting, Edith Scob. Alors j'en parle parce que c'est sa dernière apparition au cinéma, elle qui nous a quittés malheureusement il y a quelques semaines et que j'ai découvert dans l'excellent Les yeux sans visage, dont j'ai parlé sur cette chaîne il y a quelques temps. Ce Mon inconnu est une comédie romantique fantastique. Tiens donc, un petit peu à l'image de Yesterday de Danny Boyle, sorti il y a quelques semaines avec Richard Curtis au scénario. Richard Curtis, qui avait lui-même réalisé un film du genre, Il était temps, qui se rapproche beaucoup quand même de ce monde inconnu, il ne faut pas le nier. D'ailleurs, il y a une autre grosse référence qu'on peut faire sur une comédie anglo-saxonne américaine, celle-ci, le fameux Un jour sans fin, Groundhog Day de Harold Ramis, évidemment. Deux grosses, à mon avis, influences de Hugo Gélin avant l'écriture et la réalisation. Réalisation, hein, c'est pas facile à dire hein, quand t'es pas concentré comme ça, hein, de ce film. Et bon, question, est-ce que j'ai bien aimé ce Mon inconnu? Parce que j'en attendais beaucoup quand même, hein. J'avais été hypé par certains commentaires. Ça faisait partie de ces films à rattraper d'urgence en haut de la liste cette année. Et la réponse est oui, j'ai bien aimé ce film. Peut-être pas autant que j'aurais aimé, souhaité l'aimer. Ouais, c'est compliqué, mais c'est pas grave, hein. C'est Impro Ciné Critique à fond là, il y a 5 minutes encore, j'avais même pas l'idée de faire cette vidéo. Bref. Bref, j'ai aimé, mais il y a des petites. Voilà. Bon, je vais faire le synopsis rapide et je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a certaines choses qui peuvent un peu me déranger. Bon, c'est pas grand-chose hein, quand même. C'est l'histoire donc de Raphaël, jeune lycéen qui est très créatif, il écrit des histoires de science-fiction, voilà, avec son pote, tout ça, au lycée, machin. Et un jour, il tombe sur une fille mystérieuse qui joue du piano. C'est le coup de foudre. Il se retrouve ensuite en mode il tombe amoureux dans les pommes, ouais, c'est complètement con mais c'est ça. Et du coup à partir de là ils créent leur histoire, hein, on voit sous forme d'ellipse leur vie qui s'écoule. Ils se marient, ils s'installent ensemble, puis voilà, c'est le bonheur. Raphaël devient un auteur à succès, alors que sa compagne, qui s'appelle Olivia dans le film, eh ben, ouais, elle n'a pas trop de succès finalement dans sa carrière de pianiste, elle veut devenir prof de piano. Bon, à rigueur, c'est pas grave. Le souci est ailleurs, c'est qu'avec la célébrité, Raphaël délaisse de plus en plus sa femme, voilà, il devient égoïste hein, un peu, et un beau soir, elle en a marre, quoi, tout simplement. Et Raphaël pète un plomb, tout ça, et le lendemain matin, Raphaël se réveille, Olivia n'est plus là. Et oui, bon, il perd son épouse qui devient son inconnue, d'où le titre. Mais c'est pas que ça. En fait, il se réveille dans une réalité parallèle où Olivia, son épouse, n'est plus du tout son épouse. Elle ne le connaît plus. Et lui, il n'est plus célèbre, il est devenu prof de lettres. Quelle déchéance, le gars est devenu prof. Oui, voilà, ouais, je suis prof moi-même, hein, donc bon, c'est pas grave. Je pense pas qu'Hugo Gélin ait voulu être médisant vers la profession, mais ça m'a fait, sur le coup, je dis, ok, bon, pas grave. Prof de français, et il fait étudier Shakespeare à ses élèves. Ouais, bon, là aussi, bon, c'est pas grave, c'est juste, ça c'est un truc qui est complètement incohérent, mais qui est expliqué vers la fin, parce que voilà, c'est pas là pour rien, en fait. Bon, bref, peu importe. Et, bah, c'est cool parce qu'il y a le côté science-fiction, voilà, univers parallèle, machin, connaît pas tout ça. Bon, c'est vrai que du coup, on pense à Un jour sans fin, Groundhog Day, où Bill Murray se réveille tous les jours, alors qu'il connaît par cœur Andy McDowell, il essaye de faire d'elle sa compagne. À la différence de ce film-là, il la connaissait pas avant, mais voilà, quoi, l'amour impossible, machin, parce que bon, bref, vous connaissez l'histoire de Un jour sans fin, peut-être ou pas, mais si c'est pas le cas, je vous encourage à aller voir ce très grand film. Et comme dans Il était temps aussi, l'histoire ici d'un homme qui essaye de reconquérir la fille qu'il a aimée et qu'il aime, alors qu'elle, elle ne se souvient plus de lui. C'est triste. Et à partir de là, bah, il va essayer de se rapprocher donc de cette Olivia
en s'inventant une vie de biographe, il veut écrire sa biographie et tout, à l'aide de son meilleur pote, qui va jouer son agent, tout ça, tout ça. Bon, c'est plutôt bien maîtrisé là-dessus, c'est passionnant et assez touchant, vraiment une belle histoire. Quelle réserve j'ai donc sur ce film? En fait, c'est peut-être le côté humour qui est moins bien géré que le reste, pour moi. L'humour est assez lourd et beauf. Malheureusement représenté par ce personnage du meilleur pote, qui s'appelle Félix dans le film, et qui est joué par Benjamin Laverne, qui est bon, hein, c'est un bon acteur. Mais, voilà, c'est assez... Il est relou, quoi. En même temps, il joue un personnage relou. Et c'est vrai que c'est pas... Il y a des moments où c'est un peu... Voilà, ça nous sort parfois du film, j'ai envie de dire. Ça nous sort un peu du propos, même si c'est là pour alléger la tonalité. Ben, justement, elle n'a peut-être pas besoin d'être allégée, cette tonalité. Cependant, il est là aussi dans un rôle explicatif et le rôle référence. Par exemple, voilà, bon, Raphaël lui explique, voilà, je suis dans un univers parallèle, est-ce que tu me crois et tout. Au début, il a du mal. Finalement, il arrive à essayer de le croire. À un moment, Raphaël lui fait un dessin sur un tableau, ça rappelle Retour vers le futur quand Doc essaye d'expliquer à Marty, à un moment, t'as changé de réalité, Marty. Bref, l'Uchronie, quoi. Donc, le meilleur pote, il y croit à cette histoire, et puis à un moment, il lui explique, ah, l'Uchronie, c'est comme dans Les Visiteurs. Et il te sort l'histoire des visiteurs avec Frénégon et tout, l'arbalète, machin, etc. Cette scène est à la fois géniale et lourde. Et c'est un peu le problème de ce personnage-là. On a du mal, en fait. Je pense qu'Hugo Génin, il a superbement réussi le côté romantique, science-fiction, vraiment très touchant et tout. Mais le côté humour explicatif, il a oscillé entre le pertinent et le lourd, je trouve. Et c'est un petit peu entre les deux ici. Mais bon, c'est vraiment un petit détail, parce que franchement, l'ensemble est très réussi. Des films comme ça en France, on n'en a pas souvent. C'est bon à défendre, ce genre de long métrage, voilà. Et ça prouve d'ailleurs que le cinéma français se porte bien, et c'est pas la première fois que j'ai dit ça ces derniers temps, clairement. On a des propositions de long métrage et d'œuvres qui sortent du lot. Voilà, on est loin des comédies françaises potaches et compagnie, ici, ou du drame social, ou du drame, voilà, habituel. Non, c'est un film qui est intéressant, qui a un cachet très personnel, et ça, c'est cool. Donc c'est un bon film qui mérite d'être défendu. Il y a d'autres références drôles, d'ailleurs, dans ce film, maintenant que j'y pense, c'est à un moment, le dîner de con. Vous connaissez le dîner de con avec le dialogue « Juste Leblanc » Ben, à un moment, il y a ça aussi, quand le pote de Raphaël veut rentrer en contact avec Olivia et son manager, et à un moment, il y a cette blague sur le prénom, machin. Là, c'est pas juste Leblanc, c'est Jean-Pierre. Bon, mais c'est drôle sur la référence, mais ça devient lourd, c'est à l'image de ce que je disais, en fait. Voilà, les acteurs sont bons, la photographie, la mise en scène sont vraiment sympas, surtout la photographie d'ailleurs, à un moment il y a des passages en Camargue, c'est très joli, voilà, des belles lumières, de l'eau et tout, waouh. Bon, évidemment, je suis pas loin d'ailleurs de la Camargue au moment où je tourne cette vidéo, donc ça m'a fait penser à mes vacances, et j'y suis, et j'y reste pour l'instant, donc c'est cool. Et puis voilà, quoi, rien de plus à dire, si ce n'est la performance donc très touchante d'Edith Scott, qui joue la grand-mère d'Olivia, et qui est atteinte d'Alzheimer, et on voit que... Voilà, on sent presque, c'est bizarre comme ça, parce que je sais pas si elle était malade ou autre, mais on sent presque qu'elle donne ici sa dernière prestation, quoi. C'est donc, voilà, c'est émouvant, clairement. Puis dernière chose, autre clin d'œil encore plus poussé à Un jour sans fin, donc de Harold Ramis, le personnage principal du film s'appelle Raphaël Ramis, avec deux SE à la fin. Bah ouais, voilà, hein, je pense que ça prouve clairement que Hugo Génin s'est inspiré, entre autres, de cette œuvre. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Mon Inconnu que je vous conseille d'acheter en DVD. Je crois qu'il n'est malheureusement pas sorti en Blu-ray, il y a eu une histoire. Voilà. Le réalisateur s'en est plaint d'ailleurs sur Twitter. Problème de distribution, de bonus, PAMI, machin. Bon, bref, c'est pas grave. Malheureusement, on n'a pas parfois ce qu'on veut. Il se passe des choses étranges dans le marketing du cinéma. Ça, c'est une autre histoire. Tant qu'on peut se procurer ce film et le défendre, c'est tout ce qui compte, j'ai envie de dire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.